quelle idée de faire des génériques, franchement. Hop. Ah ouais, dis donc, ça passe bien l'image. Maintenant, ça marche sur Twitch, ça marche plus sur YouTube. Marrant. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, on est parti. Donc, vous êtes sur l'empoisonneur, ce bateau qui est sous les commandes du capitaine Bartabas. Vous êtes parti avec tout votre équipage fétiche, c'est-à-dire au souvenir Jacine, avec une dizaine de gardes, je crois. Une quarantaine. Une quarantaine, ok. Sachant que... Ah, alors... Ah ouais. Une quarantaine. C'est bien de se le dire. J'en ai une quarantaine, oui, de ceux qui sont qui ont été, je dirais pas contaminés, mais qui ont fait partie de l'expérience. D'accord. Donc ça va peut-être pas être un bateau à voile, ma foi. Parce que, comment dire, le bateau à voile, il peut pas transporter aussi peu de personnes. Autant de personnes. Alors du coup, ça va être un drakkar. Ce qui, ma foi, est un petit peu plus adéquat pour... RP. Puisque le bateau à voile ne peut composer que de 30 membres d'équipage et 20 passagers. Alors que le drakkar Oui. peut contenir 40 membres d'équipage et 100 passagers. Donc la différence entre les deux, c'est que vous n'avez que 10 tonnes de charge sur le bateau contre 100 pour le bateau à voile, forcément. Il fallait bien qu'il y ait un désavantage quelque part. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voici, il y a des voiles aussi. Donc. Mais il y a des rames. Des fois que ça ralentit un peu, vous allez pouvoir ramer. Donc, tu es avec 40 de tes hommes sur ce drakkar. Tu es également avec Garok, qui lui a embarqué, je crois, avec deux de ses suivants. Tu es également avec Farmiar et Pelgar, votre voyageur du lointain qui vient d'arriver. Tout à fait. Et avec Atis aussi. Et avec Atis aussi, qui, alors, qui lui de son côté n'est pas mal à l'aise, bien au contraire, parce qu'il vogue sur l'eau et que suite à sa dernière plâtrée de poissons qui s'est faite directement dans la jetée, est en train de pioncer sur le bateau. Alors, sachant que pour le confort de l'équipage, il a été demandé qu'il... Ah, quoique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place non plus en soute. Et le bateau est assez court sur cale. Donc, il va quand même être dans un coin du bateau, peut-être à l'arrière, là où il ne dérangera personne. Et là où il ne sera pas non plus dérangé pour pioncer, parce qu'il en a besoin. De ton côté, parce que du coup, de votre côté à tous les deux, en fait, parce que Jacine et Pelgar, qu'est-ce que vous faites sur ce bateau? Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire? A voir si vous allez pouvoir le faire, c'est pas sûr, mais qu'est-ce que vous voulez faire pendant le voyage? Pendant le voyage? Ouais. Si vous voulez faire quelque chose, bien entendu. Moi, je voudrais commencer à apprendre la méditation. Parce que je me dis que ça peut nous servir dans le futur proche avec moi et mes hommes.
Ouais, très bien. Bah, on va dire que ça tombe bien. Moi aussi, je comptais méditer et prier, mon Dieu. Bah du coup, peut-être que Jacine te demandera de nous apprendre à méditer. Pas forcément à prier ton Dieu, mais. De quel Dieu êtes-vous issu? Oh. Si on peut appeler ça comme ça. Je prie Chronos. Cosmos. Pardon, je fais toujours l'erreur. Cosmos, le dieu des cieux, de l'air, du froid, du tonnerre et des arts. Eh bien, je ne connaissais pas cette divinité. Mes hommes et moi-même avons besoin d'apprendre à méditer pour contrôler nos esprits et notre corps. Êtes-vous familiarisé avec ce type de méditation? Oui, bien sûr, c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps. Et je vais vous montrer quelques rudiments. Eh bien, avec plaisir. Commencez par vous installer au calme, à l'écart de la cohue de l'équipage. On s'exécute, enfin, je donne à mes hommes pour qu'ils s'exécutent. De ce que tu me dis, Claude, je crois qu'ils sont encore un peu malades, c'est ça? On est tous un peu malades. Oui, ils sont tous un petit peu malades, oui, effectivement. On est un petit Peu. peu dans cette herbe-là. Ok. Je vais les inviter à s'asseoir en tailleur, à prendre des grandes respirations tout en fermant les yeux et à faire le vide dans leur esprit. Et je me demande si je pourrais pas leur faire quelques soins par la même occasion en fait. Est-ce que alors tu dis qu'ils sont malades, est-ce que moi je peux voir ça Oui, quels tu sont les vois. symptômes visibles? Alors là, en même temps, c'est comment dire? L'ambiance fait que c'est un petit peu logique. Tu remarques qu'il y en a certains qui ont bonne nausée et qui se mettent à vomir. Ils ont Ouais. l'air un petit peu fiévreux. Le truc qui te tracasse, c'est que par rapport à avant d'embarquer et là, maintenant qu'ils ont embarqué, tu as l'impression qu'ils étaient déjà comme ça avant d'embarquer. C'est ce qui te surprend le plus. Mais là, le fait qu'ils soient malades et qu'ils vomissent à bord, depuis que vous êtes parti, c'est pas étonnant. Ça doit être le mal de mer. Ok. Bah, je peux faire des appositions des mains sur ceux qui semblent être le plus touchés par le mal de mer. Je sais pas si je pourrais faire autre chose. Qu'est-ce que vous pourriez avoir avec vous? Vous allez avoir avec vous pour participer à ça une naine et un félis. Une naine qui s'est présentée sous le nom de Svadana. Et qui est un membre de l'équipage qui peut se permettre de ne pas être à son poste. Et de la même façon que le Félix Thompson. Mmh.
de ton unité, du coup, Jacine, qui sont malades, le fait de déjà de partir en méditation, ça a deux conséquences. La première, il y en a certains qui vont se mettre un petit peu à planer et du coup leurs maux vont s'apaiser et même s'ils vont rester fiévreux, la nausée va s'être dissipée. Pour les autres, ils vont craquer et vont chercher un abri pour s'abriter du soleil. D'accord, mais normalement, c'est pas des... ils sont pas censés avoir peur du soleil. C'est ça, mais apparemment le soleil les gêne, donc ils ont besoin de s'abriter et de s'isoler. Ce qui est un petit peu compliqué parce que tu n'en as qu'à 40 quand même. Donc quand je te dis il y en a Bah quelques-unes qui se oui. sentent comme ça, il y en a une petite, enfin un peu moins d'une, un peu moins de 10 qui ont besoin de se mettre à l'abri et de s'isoler. Donc c'est compliqué, mais ils font mieux. Non, voyant ces personnes s'écarter et essayer d'aller se cacher du soleil, je vais demander à Jacine ce qui a pu leur arriver. Jacine regarde un peu à droite, à gauche. Disons qu'ils ont fait l'objet d'une expérimentation et le temps que le traitement se stabilise, cela prend un peu de temps. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu puisses faire pour améliorer leurs conditions? Disons que... Et là, tu vois qu'elle regarde que, au large, puis-je réellement vous faire confiance? Écoutez, je suis à vos côtés. Le hasard a fait que il nous a fait nous rejoindre et pour certainement de grandes choses, je l'espère en tout cas. Et les petits soins que j'ai pu leur apporter font enfin parlent pour moi. Je ne cherche qu'à vous aider. Dites-moi un secret à vous et je vous dirai ce qu'il en est. Car voyez-vous, cette expérimentation est tenue secrète. J'ai en effet quelques secrets. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu pour savoir si je peux me permettre de les dévoiler tout ou partie en tout cas. Eh bien, je vais vous laisser réfléchir, mais sachez que le moment où vous m'en dévoilerez un, je vous dévoilerai il en est. Je reprends ma méditation et je un petit peu plus tard je viendrai me confier à Jessine. Sais pas s'il y a quelque chose qui a lieu entre-temps.
J'ai beaucoup Bah, va hésité. surtout se concentrer. J'ai beaucoup hésité à dire qu'il y a quelque chose qui allait se passer entre-temps. Je crois que j'aurais du mal à vous faire attendre davantage. Si, je vais vous faire attendre davantage. Donc tu vas pouvoir faire ta confession. Je retourne auprès de Jacine je vais lui dire que donc à Silgedrim, j'ai entendu parler d'un présage. Un présage qui concerne cette zone géographique là où nous allons, le Nord. Le présage, c'est le suivant. Du fond du gouffre, dans les terres glacées, surgira le nouveau dieu dragon. C'est la raison principale de ma venue. Je comprends. Il ne serait pas bon qu'il ressuscite comme la dame des hivers. Mais vous m'avez confié le véritable but de votre venue. C'est à mon tour maintenant d'être honnête avec vous. Lors de la bataille qui nous a fait rencontrer Farmière, nous avons, comment dire, réussi à emprisonner trois loups-garous. Et afin de pouvoir améliorer certaines forces, je souhaite créer une compagnie d'armée de lycanthropes. Je comprends que ce ne soit pas des informations que vous dévoilez à la légère. Cela fait quelques jours que nous avons été infecté. Et il faut juste le temps que le processus se finalise. Farmiard ne le sait pas encore. Je Puis-je tairai cette compter vos... information, bien sûr. Mais comme vous le savez, de ce que j'ai entendu parler, il est possible que nous soyons... que nous subissions certaines transformations involontaires. Et à cet instant, nous aurons besoin d'aide pour éviter qu'on fasse le moins de mal possible. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce qui vous a permis cette expérimentation, s'agit-il de sorcellerie? Oh, ça a été plus simple que ça. On s'est laissé faire mordre. Très bien, j'userai de tous mes talents pour empêcher vos hommes. Et est-ce que vous-même avez aussi été mordu? Elle acquiescera de la tête. Afin d'empêcher vos Un hommes eux-mêmes véritable de faire trop de mal. chef doit subir les mêmes difficultés que ses hommes, s'il veut être respecté. Et si je peux me permettre, est-ce que vous savez ce que vous allez devenir exactement par la suite? Si c'est ce que j'ai observé, je dirais un loup en forme humanoïde. Tu as trois
y aura trois formes. Vous aurez trois formes, puisque contrairement à ceux qui le sont depuis plus ou moins la naissance, vous aurez trois formes. Vous aurez la forme humaine que vous pourrez choisir d'avoir. Vous pourrez avoir la forme la forme loup sauvage que vous ne maîtriserez pas puisqu'elle arrivera à un moment bien précis que vous pouvez bien vous imaginer en tant que joueur. Et il y a la forme antre. Je ne sais plus comment on l'appelle cette forme. Elle est une hybride. Forme hybride, voilà, que je cherchais. La forme hybride que vous pouvez maîtriser, puisque ça vous permet d'être moitié loup, moitié humain, et du coup de pouvoir partager votre conscience et vos capacités. Entre deux. Par contre, je pensais que j'avais, une fois que je me serais, que la première transformation aura eu lieu, je pensais que j'aurais la possibilité de me transformer volontairement en loup. À un moment donné, alors pas au début. Oui, c'est ça, pas au début, ça j'en suis conscient. Mais... C'est, je ne te dévoile pas parce qu'il est possible que sur une autre table que tu sois déjà dans le questionnement, mais pour une certaine personne. Mais je te dirais qu'à un moment donné, tu pourras le maîtriser. Mais c'est un coup de jet de dé, quoi. Oui, tout à fait. Ok. Du Comment coup. il réagit face à cette information? Je pense de manière assez stoïque. Dévoile pas trop de sentiments à ce moment-là. Donc, je dirais difficilement lisible, mais tu ne dirais pas que il y a de l'invective ou quoi que ce soit provenant de lui. C'est la raison que j'ai voulu. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire apprendre à moi, mes âmes et moi-même la méditation pour nous apprendre à maîtriser ces transformations et surtout l'esprit qui va avec. Par ailleurs, Je comprends, c'est louable. tant qu'on est sur cette discussion-là, et vu que les mots sont sortis, et je crois que je ne te l'ai jamais fait faire, Jacine, donc c'est l'occasion de te le faire faire, vous avez possibilité de me faire un jet d'arcane, de nature ou de survie. Arcane, nature ou survie? Pour moi, ça sera survie. Hein. Nature ou survie? Ce sera survie. C'est un 12. 1-12. Bon, ça reste assez simple. C'est surtout pour que toi, de ton côté, Pelgar, tu es habitué un petit peu à voyager avec la lune, d'où le fait que c'est un petit peu plus simple pour toi. Tu sais que dans quelques jours, la pleine lune va surgir. Et que du coup, ça peut avoir une Et je suis incidence également sur. parfaitement conscient de tout le folklore qu'il y a autour des loups-garous. Très bien. Dans quelques jours, t'as dit, hein? Oui, quelques jours. En fait, tu as le choix. Je te laisse le choix. Soit tu connais le folklore au niveau des loups-garous, ou soit tu connais le calendrier et tu sais quand va être la pleine lune. Je pense que je préfère connaître le folklore parce que savoir que la pleine lune va arriver, ça peut Travailler. se déterminer en et voilà.
Ok, bah je partage l'information avec Jacine en disant donc il faut être vigilant au fait que si elle et ses hommes ne maîtrisent pas encore leurs capacités rapidement et que la pleine lune venait à surgir, ça pourrait être assez chaotique, notamment sur un drakkar. La raison pour laquelle je. Garrok est au courant et a ordonné à ses hommes de d'être le rempart entre les éventuels civils et nous. Mais si on a la possibilité de pouvoir préparer en amont cette période de transition, de transformation, cela serait au mieux. Je vais de mon côté m'assurer que j'ai bien à disposition des sorts qui nous permettraient de vous empêcher de faire des choses dramatiques. Je vous en remercierai. Et si jamais vous pouvez aider Garrok et ses hommes sans blesser trop d'âmes à moi. Connaissant Farmiard, je pense. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question, votre relation par rapport à vous, d'ailleurs, lorsqu'on s'est vu. Mais je sais que Farmiard aura tendance à vouloir chasser les loups, même si je lui en ai demander de ne pas le faire. Je crains sa réaction. J'entends. Donc il faudra aussi se méfier de Farmer lorsque cela se produira. On va peut-être le mettre hors de tête nuire temporairement. Après, je ne veux pas le blesser, et ce n'est point ma volonté, mais Ça peut être simplement Voir transition. une personne se transformer, ça peut surprendre. Voir une quarantaine de personnes se transformer en même temps, ça peut terrifier. Tout à fait. Je pense que vous allez rester un petit moment à vous regarder dans le blanc des yeux, à essayer de savoir qu'est-ce que vous pourriez rajouter à la discussion, je crois. Je proposerai une méditation pour essayer de voir si ça fonctionne et je tester un changement de forme. Alors avant, je vais vous Ok. permettre à tous les deux, étant donné que vous avez fait un petit peu de. Vous avez eu le temps d'observer un petit peu le bateau. Vous avez remarqué que l'équipage était composé moitié-moitié, donc ça représente 40 membres d'équipage, donc moitié-moitié 20 et 20. Plutôt une mixité sociale, entre guillemets, moitié homme, moitié femme, sur le bateau. Et je vais vous permettre de faire un jet de perspicacité. Seize. 19. D'accord. Ok. Ah oui, quand même. Alors, au vu que vous avez réussi tous les deux. Je vais me permettre autre chose. Vous allez me faire tous les deux un des six. Quatre. Quatre également. Très bien. Mmh. C'est très bien. Vous, vous voyez. Ah là là, il va falloir que je me trouve quelques petits détails parce que du coup, vous voyez ça sur la même personne.
Vous voyez deux jeunes filles, enfin deux jeunes filles, alors le féminin de matelot. Aide-moi au charisme. Matelote. Oh ouais, enfin, bon, je sais pas trop non plus, mais Non, matelote, c'est en cuisine. Ouais, j'avoue que. Membre d'équipage. Ouais, on va dire ça. Ah, c'est une matelote, hein, je te confirme. Matelote? Bon. Oui. Bon, si ça n'offusque personne, on va dire ça. Vous voyez deux matelotes qui, visiblement, depuis le début, sont souvent ensemble. Ceci étant, il y en a une qui est plutôt sociale avec l'ensemble de l'équipage, c'est-à-dire qu'elle va voir les uns et les autres sans trop trop de problèmes, alors que sa collègue passe beaucoup de temps la tête baissée et beaucoup de temps seule dans son coin. Voyant ceci quand même au niveau des membres d'équipage, vous remarquez aussi par rapport au moment où elle se retrouve toute seule, voire quand elle traîne avec l'autre, un groupe de 5-6 matelots qui se distingue un petit peu des autres par un tatouage de barre au niveau du cou, qui eux de leur côté font leur boulot un petit peu à leur poste partout sur le bateau. Mais ont tendance à observer les deux jeunes filles, sans pour autant s'en approcher. Et celle qui baisse plutôt la tête ne semble pas trop les voir. L'autre, par contre, va les voir sans a priori ni rien, sans s'en rendre compte de ses regards. Par contre, vous qui avez un œil extérieur, vous le voyez très bien. Donc je ne sais pas si vous réagissez à ça ou pas. Bah, je serais d'avis d'aller voir les. En tout cas, celle qui est dans son coin. Ok. Moi, je reste à distance et j'observe le groupe de 5-6 hommes. C'est un tatouage qui ressemble à quoi? C'est des barres, c'est ça? C'est une barre, donc ça ressemble à une roue avec, bah, comme un capitaine qui est à la barre, quoi. Ok, bah oui, ok. Détail quand même qui vaut son pesant d'or quand même. La jeune fille, alors je sais plus si j'ai dit que c'était une humaine, mais c'est pas une humaine, c'est une demi-orque. Celle qui est un petit peu tête baissée. Et sa copine, c'est une naine. Et parce que j'ai aussi oublié, ceux avec le tatouage, ce sont bizarrement, mais vraiment très bizarrement, des demi-orques. D'accord. Donc, Bah, toi, Jacine, tu vas voir la jeune fille de New York, la jeune de New York, oui. qu'une. Qui va rester tête baissée qui va dire laissez-moi tranquille.
Pourquoi donc? Elle marque un Je ne suis pas là silence. en ennemi. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Quel est votre nom? Je garde mes notes sous mes yeux parce que sinon je vais pas y arriver. Je m'appelle Regina. Je suis Jacine et je lui tends la main. Oh là, j'ai oublié le L. Mon Dieu. Elle a quand même la souplesse de regarder ta main. Rangez-la. Non pas que je ne veux pas la serrer, non pas que je n'ai pas envie de vous montrer du respect, mais je n'en ai pas le courage. Elle est assise ou elle est Ouais, c'est assise, debout? elle s'est assise. Bah, je m'assois devant elle. Pourquoi dites-vous que vous n'avez pas le courage? Fais-moi un jet de perspicacité. Tu vois qu'elle a un regard de tueur, de tueuse. Elle te répond pas. Et où allez-vous par ce voyage? Est-ce que vous êtes membre d'équipage? Je dirais que, contrairement à vous, mon voyage à moi ne mène nulle part. Car oui, malheureusement, membre d'équipage, membre de cet incroyable équipage. Et tu sens bien leur pointe d'ironie. Combien vous a-t-il acheté? Pas suffisamment comparé à certaines filles de joie. Souhaitez-vous en être libéré? Son regard se dirige pas du coup vers n'importe quoi. Son regard se dirige vers un des marins avec une barre en tatouage sur le cou. Et elle te dira: tout n'est pas si mal. Peut-être que je devrais m'y faire. Après tout, j'ai de quoi manger. Oui. De quoi manger et de sans doute beaucoup boire. D'ailleurs, ça vous tenterait pas de boire? Le métier. Vous m'accompagnez? Je vous suis. En fait, elle est encore assise. Et vu que tu es assise en face d'elle, elle te tend la main. Que je prends. Et tu vois qu'elle tire vers elle, un petit peu pour s'aider à se relever.
Donc a priori, tu peux aussi en profiter pour te relever. Oui, bah, je me relève aussi. Et tu la vois qui commence à descendre sous le plancher. Je prends la direction de sous plancher tout en regardant Pelgar en disant un signe de tête que ça a l'air d'aller. Et je m'engouffre dans les cales du coup. De ton côté, Pelga, toi tu te diriges vers un petit groupe de trois de ces hommes qui sont regroupés vers la poupe. Bonjour voyageur. Bonjour. Alors, le voyage se passe bien? Plutôt pas mal. Et vous, du côté de l'équipage, tout va bien? Ah ouais, on n'a pas à se plaindre. Ces deux matelotes là, vous vois les regarder beaucoup. Un problème? Puis tu remarques un petit coup de coude qui passe à l'un des trois matelots, celui qui est tout à gauche. Ah, il semblerait que il y en ait un qui ait jeté son dévolu sur la charmante jeune fille. Cette charmante Regilna. Ah! N'est-ce pas? A joke. Et l'autre. Est-ce que c'est réciproque, selon vous? Eh bien. Alors celui qui est concerné hein, ne parle pas hein, du coup, hein, parce que il a l'air de vouloir regarder ailleurs. Par contre, les autres vont répondre à sa place. Eh bien, d'après ce qu'on a entendu, il a au moins réussi à conclure. Est-ce que c'était réciproque? Oh, ça viendra. Ok, Belgar commence à être plutôt en colère, mais garde encore son calme. La lueur lui d'autant plus bleue. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, et donc il va répondre que je ne pense pas que ce soit des manières de traiter des jeunes femmes. Je pense qu'il est important qu'elles consentent à ce type d'acte. Qu'en pense-t-il, Joke, de cela, plutôt que de laisser parler les autres? Tu Je le vois regarde. que autant il regarde ailleurs et suite à la pointe que tu lui lances, il te regarde froidement et franchement. Dis donc l'ami, tu pourrais peut-être rester à ta place. Nous, vous êtes de simples voyageurs, ne vous occupez pas de ce qui se passe entre nous. Merci. Je lui dis, cette fois-ci, avec le visage qui se déforme sous la colère, plus jamais tu la touches, si jamais je te vois l'approcher, tu es un homme mort. Très bien, si ce n'est que le temps d'un voyage.
Tu remarques d'ailleurs. Alors, fais-moi quand même un jet d'intimidation parce que au cas où tu me le réussirais, les autres vont peut-être pas réagir comme je vais te le dire. 28. Ouais, ok. Oui, donc ils vont pas sourire. C'est une réussite critique? Non, même pas. 19 plus 9. Donc les autres, de leur côté, au lieu de sourire comme j'allais le dire, ne vont pas sourire, au contraire, vont cette fois non pas lui faire un petit coup de coude, l'air de dire on rigole, mais au contraire lui prendre le bras de façon assez... assez violente et de façon assez forte pour le faire bouger de place et l'emmener loin de toi, sachant que l'un d'entre eux te dira très bien, nous allons nous en assurer, vous inquiétez pas. Et l'autre qui te regardera tout aussi froidement, même s'il dira rien. Que lui aussi sur le coup de ton intimidation du coup, mais ceci n'empêche que il te lâche pas des yeux. Lequel, excuse-moi? Joke. Y a ton micro qui coupe, j'ai l'impression, Claude. Ah. Ça a l'air d'aller là. Et donc j'ai pas Ouais. entendu lequel continue à me regarder. Donc du coup, Joke continue à te regarder alors qu'il Ok. est tiré par ses deux camarades. Mais il dit rien, hein, parce Et qu'il n'a pas quelle envie. attitude? Enfin, il me regarde avec. Alors, il est Quel toujours visage. aussi froid en te regardant, mais il ne dit rien, parce que visiblement, il n'a pas envie de... Il n'a pas envie que la situation aille plus loin. Ok. Je les laisse en aller et j'attends le retour de Jacine. En En bas, m'assurant qu'il se rapproche pas plus que ça des deux matelotes. alors que tu pourras remarquer que Svadhana, quand là-bas, du coup, elle c'est une naine, et elle, quand elle essaiera de s'approcher d'un de ses membres d'équipage, ceux que tu as interpellés. Non, ça va se décomposer de différentes façons. Donc, je vais y aller au fur et à mesure. Les trois qui sont partis vont du coup aller voir les trois autres sur le bateau, leur parler, te montrer du doigt. Et quand Svadhana va tenter d'aller les voir pour leur parler, de façon totalement innocente, ces derniers vont clairement, tu vas distinctement voir que ces derniers leur demandent lui demandent de ne pas rester avec eux. Et du coup, ils te montreront du doigt en lui parlant. Donc, tu sais pas trop ce qu'ils disent, mais tu t'en doutes un peu quand même. Oui. Très bien. La naine, elle, hausse les épaules avec une petite négation, on ne comprend pas, va partir voir d'autres personnes. Elle va même pas venir te voir directement, mais elle va venir voir d'autres personnes, pareil, discuter, faire son travail. Très bien. Ça roule. Sous le plancher, tu vas arriver à un tonneau, un petit tonneau, pas si petit que ça, avec un bon litrage de bière sans doute à l'intérieur. Enfin, de toute façon, tu vas pas seulement sans doute le voir, tu vas aussi le déguster. Elle va prendre deux pintes, un petit peu auparavant, je pense que sur une étagère qui est par là, dont elle va t'en donner une.
C'est une pinte, donc tu te doutes bien qu'il ne s'agira pas que de petits verres de bière. Ça, c'est entendu. Oui, j'ai bien compris. Elle va t'amener au pied de ce tonneau. Elle va lui faire ce qu'il faut pour faire sortir la bière. Et vous allez commencer à boire. Et tu vas remarquer, alors je sais pas si tu vas imposer une limite ou pas. Ou si tu Bah, je vais jusqu'au maximum que je peux, enfin, juste avant la conscience. D'accord. Mais si je peux être bien, je suis bien. Ok. On va faire un truc, on va faire le fameux petit jeu, parce que éventuellement, si tu craques avant, il y a des choses que tu ne sauras pas. Oui. Si tu craques après, tu auras peut-être des infos. Donc Après, c'est faisons un ça comme demi-orque, ça. hein, donc Étant donné que j'ai pas fait ces données, je te propose de le faire au D20. Ou sauf si tu veux faire mettre ta constitution dedans, parce que ça peut peut-être valoir le coup dans ton cas. sauvegarde constitution. Que poison c'est ça, oui, le poison c'est ça. Ok. Ouf. 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 T'as vu mon jet? Allez. Oui, j'ai vu ton jet. Alors, tu remarques que la fille, elle a aucune hésitation. Elle boit vite, elle boit beaucoup, mais elle ne craque pas. Là où toi, Okay. tu as l'habitude de boire, donc tu résistes quand même pas mal, parce que tu as quand même une habitude quand même. Ceci étant, ta dé détermination est un petit peu moindre. C'est pas Oui. forcément dû au fait que tu es moins guerrière qu'elle, mais peut-être qu'il se pourrait que tu aies une petite faiblesse qui fasse que tu sois un petit peu moins endurante. Je vois. Du coup, tu vas faire tout ce que tu peux pour rester consciente. Tu la vois enchaînée, tu te dis, waouh. Tu te dis quand même que elle a quelque chose à faire oublier. Mais quelque chose, à mon avis, que. C'est quelque chose. Mais malheureusement, tu vas craquer avant. Avant de. Tu vas craquer avant elle. Ce qui fait que je pense que tu vas t'arrêter à un moment donné. Alors, je sais pas ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas aller dans un coin pour te reposer ou est-ce que tu restes Oh sur bah, place? je vais retourner là où il y a Atis pour aller me reposer contre lui. Hein. Alors justement, Atis était pas loin de la proue. De la poupe plutôt. J'ai dit la poupe tout à l'heure. Du coup, tu vas peut-être t'allonger. Donc du coup, il va falloir que tu remontes un petit peu en haut. Toi, Pelgar, tu vas quand même voir Jacine ressortir d'en bas. Un petit peu beaucoup. Patraque? Je sais pas si t'en feras quelque chose. Si je vois tout de suite que Jacine va se coucher, je la laisse tranquille et je lui parlerai à son réveil. Et tandis que l'autre, la demi-heure que la matelote, elle est restée dans la cale, c'est ça? Et les six hommes là, ils sont bien toujours sur le pont. Je surveille, si jamais ils doivent descendre dans la cale, j'irai aussi. Tu
remarqueras que Joke ira voir le capitaine à un moment donné. Parce que ça peut être un élément important aussi de ton observation. Puisque ce qu'il a fait avec la naine un petit peu plus tôt, avec ses camarades, il le fera aussi avec le capitaine, en te montrant du doigt. Le capitaine, pour être tout à fait sincère, lui en retournera une dans la tronche et montrera un poste du doigt. Je ne sais pas si, enfin, je pense que comme tu le verras, le capitaine te dira, laissez couler. C'est rien. Bah, je lui réponds. Vous en recrutez beaucoup de violeurs? C'est normal de laisser couler? Tu le vois assez surpris par, par tes paroles. Vous avez dit quoi? T'as bien entendu ce que j'ai dit. C'est un violeur. Ce joke. Du coup, tu le vois qui l'appellera justement Joke. Viens par là, s'il te plaît. Et tu verras que lui se retourne. Mais que ses camarades également se retournent. Joke commence à s'approcher du capitaine. Les autres également. Et qu'est-ce que vous me voulez, capitaine? Les autres qui poursuivent, oui, qu'est-ce que vous lui voulez, capitaine? Tout ça parce qu'un simple voyageur insulte l'un des nôtres? Du coup, le capitaine non pas tout seul, quand même, les amènera, leur demandera de les accompagner dans sa cabine, qui se sera aménagée à un endroit, pour être au calme. Et il ne sera pas tout seul, il ira avec un autre humain. Qui semble être son second, ainsi que celle qui était avec vous à un moment donné, une autre jeune femme aussi une humaine, donc ils seront 3 plus les 6, machin. Le capitaine te regardera. Nous allons régler ça. Vous voulez venir? Avec plaisir. Très bien. Je le suis. Du coup, vous allez être nombreux dans la petite cabine suffisamment pour que la porte ne puisse pas se fermer. Et que, voire même, il y ait quelqu'un qui soit en extérieur. Alors sans doute, ce qui semble être Frilla, l'humaine. Et bon, Joke, ce voyageur, comme tu dis, comme vous dites, messieurs, il semble avoir des doutes sur ce que vous faites sur ce bateau. L'autre répondra. Eh bien. Il semblerait qu'ils se plaignent que nous soyons trop proches de Regina. Mais il s'est absolument rien passé. T'as le droit de réagir, hein, si tu veux, à un moment donné. Ouais, non, mais justement, j'allais le faire. Je lance zone de vérité. Ouh! Ok. Et je vais lui dire
Qu'est-ce que tu lui as fait? J'aimerais bien l'entendre pour de vrai. Alors, je crois qu'il a le droit à un test de sauvegarde. Charisme 16. Eh bien, il y a 3 jours, à peu près, 3, 4 jours, on a eu une petite liaison avec Régina. C'était à la taverne. C'était bien sympa. Voilà tout. Je ne pense pas que ce soit tout. Est-ce qu'elle était d'accord pour cette relation? Non. Absolument pas. Donc vous l'avez violée. Je pense que qu'un jour, elle s'y fera. Que tu as envie de le buter. C'est bien possible. Non, mais là, je vais me tourner vers le capitaine pour voir quelle est son attitude. Ok. Avec eux, il y avait un certain Rizone, un humain, du coup, qui est lui de son côté. Nous avons signé un contrat avec toi où tu nous promettais de travailler afin de mériter le couvert et de retrouver une image dans la société que tu avais déjà perdue par le passé, sans doute par ce même genre de conneries. Vous autres, ces copains-là, vous êtes prêts à monter ici une mutinerie éventuellement contre nous pour protéger votre copain? Les autres jusque-là étaient plutôt énervés. Ils ne disent rien. Ils semblent quand même être passablement énervés, mais pas contre leurs potes. Contre le capitaine et contre toi. Mais il la ferme. La jeune femme qui secondait aussi le capitaine qui était un petit peu en dehors, qui a entendu la même chose, elle demande à ce que ce joke soit jeté par-dessus bord afin de recevoir tout ce qu'il mérite. Le capitaine, de son côté, regarde Joke. Pour l'instant, en sanction jusqu'à notre arrivée dans 2 jours, je vous demande de l'attacher. De l'attacher solidement à un mât. Afin qu'il ne puisse pas se détacher et afin qu'il soit prisonnier et que ses camarades respectent cette sanction sans lui donner ni à manger, ni à boire, ni lui permettre de dormir au chaud. Et nous verrons dans 2 jours ce que nous ferons. Le voyageur, j'espère que cette punition temporaire vous semble juste? Je m'en fie à vous. Vous êtes le capitaine de ce bateau. Je n'ai pas mon mot à dire sur les sanctions que vous donnez à cet homme. J'espère qu'il sera correctement jugé pour ses actes et ses méfaits. Il le sera. Malheureusement pour lui, son crime semblait avoir eu
Echo en Jardal. Malheureusement, il sera jugé dans les terres du Nord. Malheureusement pour lui. Tu verras que du coup, les autres taperont du poing sur la table sans rien dire, mais. Mais voilà. Sera moins clément, semble-t-il. Sans trop bien connaître, bon, relativement bien quand même, les conséquences de leurs actes là-bas, je penserais que votre cher copain devra la survie de sa troisième jambe lors d'un combat en duel, sans doute avec une des guerrières du Nord. Si jamais il devait perdre ce combat, je pense que il ne pourra plus causer de tort à personne. Je tourne les talons et je quitte la pièce. J'ai pas besoin d'entendre plus sur ce qui va advenir de ce gars-là. Du coup, ses camarades eux-mêmes vont l'attacher à un mât. Bien sûr, Frilla va superviser afin que la corde soit très bien serrée, qu'il soit très bien attaché, qu'il ne puisse pas se détacher. Il a été mis non pas à la poupe cette fois, mais à la proue. Face à la mer, histoire de se prendre un maximum d'embrun dans la gueule, pour éviter qu'il s'endorme de trop. Ensuite, cette dernière va aller voir Svadhana pour la tenir au courant de ce qui se passe. Svadhana, de son côté, va aller avec Frilla, du coup, en bas. Vont remarquer que effectivement vous remarquez alors comment toi tu vas le percevoir tu vas les voir disparaître en sous-sol et tu vas les voir réapparaître avec Regilna, qui va juste passer un coup de tête sur les planchers. Tu entendras dire, tu vois, c'est bon. Il va être jugé. Et elle répond, j'en ai rien à foutre qu'il se fasse juger. Ramenez-moi en bas. Ramenez-moi tout de suite en bas. Et elle le ramène en bas. Elles ne vont pas revenir sur le plancher. Que faites-vous maintenant? Bah alors, que fais-tu maintenant? Parce que je pense que Jacine. Elle ronfle. Il est parti pour un bon moment. Jacine est partie pour un long moment. Donc, j'ai pas retenu le nom de la personne qui a été accompagnée Zodana en bas. Là. C'était bien celle qui supervisait tout à l'heure les. La discussion, Le. l'attachement du. Ouais. Et donc elle est actuellement en bas Elle est avec elle actuellement en bas. ou elle est remontée? Non, elle est en bas. Avec Svadhana. Vérité, c'est que je sais pas si je peux faire grand chose pour elle, quoi. Par contre, tu peux quand même percevoir que Rizone, le second du capitaine,
également. Lui, il n'est pas loin de la cabine du capitaine et il observe sans relâche Joke. Ok. C'est De son toute œil façon, qui moi, s'est posé sur lui. je... Ouais, non, non, mais de mon côté, Joke, je laisse vivre sa plus belle vie maintenant. Et non, franchement, enfin, c'est pas l'attitude qui irait avec Pelgar d'aller plus discuter de ça avec la jeune femme. Donc rien de plus, sauf s'il y a un événement particulier ou à la rigueur l'autre, et je suis désolé, j'ai toujours pas retenu son prénom, ressort de la cave pour éventuellement essayer de savoir s'il y a un problème et si je peux faire quoi que ce soit. Alors, je note. Oh, mes cacahuètes. À un moment donné, tu verras effectivement Frilla ressortir assez tardivement de la cale. Jetant le premier regard du coup à Joke. Et je pense qu'elle, elle va te chercher. Elle va venir te voir. Ok. Mais en fait, c'est tout simple, hein. Elle va te remercier pour l'honneur dont tu as fait preuve devant ces abrutis et devant le capitaine, alors que tu n'es qu'un simple voyageur, et c'est tout à ton honneur d'avoir réagi. C'est bien normal. Et comment va cette jeune personne? Vous avez passé un bon moment avec elle? Non, pas vraiment. Nous avons fait ce qu'il fallait pour l'empêcher de continuer à boire. A priori, elle a déjà pris largement son compte, mais elle aurait bien voulu continuer. Elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Bizarrement, elle ne pleure pas. Elle est forte. Mais je sais pas si ça pourra s'en remettre, sincèrement. Je ne sais pas si je peux faire grand-chose pour elle. Malheureusement, je n'avais pas beaucoup de moyens de soigner les maux dont elle souffre. Eh bien, tout à l'heure, j'ai assisté à vos cours de méditation. J'essaierai bien de la faire venir demain, si vous en faites encore. Bien sûr, je continuerai à en faire tout du long du voyage, et elle sera bien évidemment avec vous la bienvenue. En tout cas, je suis désolé que aussi que vous ayez dû assister à ça. Oh, moi, je suis surtout désolé pour elle. Elle a pas mérité son sort. Bon. Vous inquiétez pas, ça ne m'affecte en rien. Occupez-vous d'elle surtout.
Et évidemment, tu vas entendre une sorte d'attroupement. Tu vas vite voir de quoi il s'agit. Tu vas peut-être même voir la chose se faire de façon assez directe. Tout simplement, à un moment donné, tu verras Frilla, pas Frilla, Svadhana sortir du sous-sol et aller en. C'est une naine, hein, pour rappeler. Tu la verras sortir de monter les escaliers et aller tout droit vers Joke et commencer à lui foutre les bonnes patates qu'il faut. Ce dernier, ça va pas. Attends, je regarde. Je fais juste un petit jet de dé, ça va. Avec la rage, je lui fais avec un petit Et jet de dé. si elle en vient à utiliser des armes, j'interviens. Non, 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 au contraire. Elle le fait par à main nue. L'autre les prend les coups, ne réagit pas. Ses camarades vont immédiatement faire reculer la naine. Cette dernière va se débattre. Réussir à se débarrasser de leur emprise. Bon, ils vont pas non plus insister non plus parce que ils savent que t'es pas loin. Ils savent que les autres de l'équipage non plus sont pas loin, maintenant qu'ils sont au courant aussi. La naine de leur dire, si jamais vous touchez à l'un ou l'une d'entre nous sur ce bateau, je vous promets de vous couler les uns après les autres au plus profond de la mer, voire de vous faire déchiqueter par l'un de ces monstres marins. Et je vous souhaite qu'on n'en croise pas sur la route. Et elle retourne dans la cale. Le capitaine qui assiste à tout ça, enfin qui est à la barre et qui assiste à tout ça, ne, je veux pas dire qu'il ne réagit pas parce qu'il a quand même une tête de ça tourne mal dans mon équipage. Ça sent le bazar. Mais il ne bougera pas. Ses seconds non plus. Les autres membres d'équipage non plus. En ce qui concerne les copains de Joke, eux vont retourner à leur poste. Tout en ayant quand même un regard amical envers leurs potes. Est-ce que tu feras autre chose? Non, je pense pas, pas maintenant en tout cas. Intérieurement, avant de débarquer, j'aurais quelque chose à faire. Je sais pas trop pour combien de temps on en a encore. Là, vous partez tout juste, vous en avez pour 2 jours et demi de voyage à peu près. Voilà, jusqu'à Milan, c'est ça? Pour la nuit, bah en fait j'avais en tête qu'il n'y a que Jacine qui l'aurait fait avec des avantages. Mais vous allez me faire tous les deux un jet de perception avec des avantages parce que vous allez dormir. Mais vous aurez la possibilité de percevoir tout en dormant. Et avec des avantages 23. Moi j'ai fait 8. Est-ce que Non, je fais aussi pour le serpopa ou pas? non. Non, je pense que ça suffira déjà bien. Ok. Sur le bateau,
On est vers la fin de la nuit sans doute. Alors est-ce que tu t'en aperçois ou pas? Peut-être pas. Mais en tout cas, la nuit est noire. Sans doute parce qu'il y a un petit, enfin, une bonne masse nuageuse qui secoue le bateau. Et que du coup, ça fait un temps très noir. Ceci dit, les faibles lumières qui permettent à ceux qui veillent pour guider le bateau, en particulier du coup, à ce moment-là, c'est Rizone qui est à la barre. Toi, tu t'es endormi bien avant tout le monde. Tu as dormi de façon très profondément. Mais tu as un bruit qui te semble suspect, puisque, comme je te l'ai dit, le bateau secoue quand même pas mal, et il te semble que tu entends quelqu'un qui monte à un mât. Alors attends, je regarde parce que je suis en train de dire ça, mais vu que j'ai changé de bateau, est-ce que les drakkars ont des mâts? Je crois qu'ils ont des voiles, donc oui, ils ont des mâts. Voilà, ils ont une voile, donc ils ont un mât, donc c'est bon. Donc tu entends quelqu'un qui monte au mât. Alors qu'a priori, vu le temps, c'est quand même assez déconseillé d'être là-haut. Enfin, ça serait déconseillé d'être là-haut. Et quand je me réveille, qu'est-ce que je vois? Il te semble, ah, c'est difficile à dire. C'est très très sombre. Mais comme tu m'as fait quand même un super jet avec des avantages quand même, tu vois une masse qui monte le mât, qui ressemble à. Pas à une humaine. Une demi ouais, une humaine puisque de toute façon. Oui. Hey, vous là-bas, descendez! Tu vois que la forme continue de monter. Attends, parce que j'étais en fait, au moment où je disais ça, j'étais en train de lancer Moquerie Cruelle, en fait. Ah. Mais il me demande. Voilà. Ok. Pas de bol. Prendre et ça annule. Ça répond pas et ça continue de monter. Bah, je fais une illusion sonore d'alarme. Bien entendu, Rizone s'alerte, sort un petit peu de la cabine parce que du coup le mât est un petit peu, il n'était pas dans sa vision. Voit une forme qui monte. T'as certain nombre de gens de l'équipage certains qui étaient déjà sur le pont qui regardent en direction de l'alarme. Tu peux le faire à distance par ton illusion? Ou tu le fais sur toi? Je peux le faire sur 9 mètres. Et tu le fais où? Bah, en direction du mât. Ok. Du coup, tu vois ces membres d'équipage qui également regardent vers ce mât. Y compris ceux qui se réveillent difficilement et qui regardent. Je peux intervenir? Oui aussi. Je me réveille, j'imagine. Je vais demander à Jacine ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui a une forme humanoïde qui est en train de monter sur le mât, je pense, pour attaquer les voiles. Et donc là, j'essaye de la percevoir, ne voyant rien un peu. Attends, est-ce que moi j'ai pas une vision nocturne ou un truc qui permettrait quand même. Non, t'as la vision dans le mât.
C'est vrai qu'il y a des gens qui ont la vision dans le noir. Oh là là, mon Dieu. Alors, il y a qui a la vision dans le noir dans l'équipage? Suis Question pas de sûr de base. l'avoir, en fait. Cherche l'info. Svadhana là. Si, Dark Vision, je l'ai. Thompson là. Et je crois que les elfes l'ont. Donc, Et Atis là aussi. le capitaine qui va se réveiller va voir aussi. Je regarde les demi-orques. Les demi-orques aussi. Ok, donc quasiment tout l'équipage voit ce qui se passe. Donc quand je dis que les gens ont du mal à voir, en fait c'est faux. Ils voient. À part Rizone, pour le coup, qui lui ne voyait pas. Rizone est Frilla. Aussi. Par contre, tous les autres vont interpeller, et pour ceux qui voient parmi vous deux, vont interpeller Regina. Regina, descends! Tu n'as rien à faire en route, c'est trop dangereux! Et vous avez immédiatement Thompson qui essaye de partir à sa poursuite sur le mât. Est-ce que vous faites quelque chose? J'essaie d'analyser sa direction et si elle va pour sauter dans l'eau, j'envoie Atis la sauver. Bon, à la rigueur, je me mets à proximité du mât au cas où elle tomberait pour essayer de la récupérer. Je vais aller voir. Ouais, non, je me concentre à ça. Et je crie. Parce que j'ai entendu le mot de Reginald, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Jokes, comment il va? Bah donc, je vais me tourner dans sa direction pour essayer de voir s'il est toujours attaché. Oui, ce dernier est toujours attaché. Il se réveille aussi. Lui, il la voit monter. C'est même le plus. Le comment dire, la personne la plus Après, Jasmine, t'es pas indésirable, censé le savoir. la personne, non mais T'es pas censé connaître son nom. hein, Jasmine n'est pas censée connaître son nom. oui c'est vrai, Ah oui, c'est vrai. mais Je connais même pas l'histoire. ceci étant, lui c'est la personne la plus indésirable qui va parler du coup lors de cette conversation, lors de cet épisode, de cette scène plutôt, puisque lui de son côté va. Alors je ne vais pas m'étendre plus en dialogue avec ça, mais Ah il mais va. attends, à peine il ouvre la bouche, j'envoie commande et je lui dis tais-toi. D'accord, donc ça m'arrange. C'est même pas la peine de t'étendre parce qu'il va il pourra pas. Tant mieux, ça m'arrange, parce que ça m'aurait fait chier de faire le RP de. Voilà. Non, c'est bon. Donc, elle va. Alors, je vais quand même faire un jet. Un jet contre jet, parce que Thompson, c'est quand même un Félix. Donc. Juste pour info, parce que bon, le commande c'est Wisdom 16. Ok. Tu as fait quoi toi pour le 16 pour lui hein, c'est ça? Ouais, c'est le Ouais, bah DC. je fais quand même. Oh putain, j'ai fait 16. T'as décidément. Résiste, hein. Non, fais chier. Fais chier, j'ai pas envie de le harper. Non mais attends, si il résiste en vrai, Oui, il est-ce que je peux résiste. lui je peux relancer Oui, une oui. commande et il doit relancer un jet?
À la limite, on entendra un bout de mot pas cool, mais pas tout. Alors, J'espère pour toi qu'il l'a pas réussi, parce non, il a pas qu'après, réussi, j'ai plus il a fait 11. de Il a fait 11, donc de ça va. second level. Du coup, Thompson réussit à rejoindre la fille, enfin, rejoindre la fille en haut du mât, avant qu'il y soit entièrement. Cette dernière, vu que vous avez quand même tous à peu près la vision dans le noir, vous allez voir qu'elle regarde de façon furieuse, sans pour autant le pousser. Et vous allez voir qu'il y a une certaine dispute qui s'enclenche entre elle et lui en haut du mât. Sachant que, enfin, entre elle et lui, elle l'engueule et lui, bah, il essaye de gueuler aussi, mais pas forcément en lui balançant des insanités. Parce que elle, pour le coup, elle lui dit dégage, pauvre con, redescends de là, laisse-moi tranquille. Et elle, lui, de son côté, lui dit, mais écoute, descends maintenant, descends. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous tentez quelque chose? J'ai peur de monter sur le mât et de risquer de le casser. Je vais attendre là et toujours essayer d'être à la réception s'il y avait une chute. Elle a l'air robuste, hein, c'est ça? La fille Ouais. demi-orque, ouais, c'est une demi-orque, donc elle a ce qu'il faut niveau musculaire. Bien. Ok, elle a une constitution. Allez, je vais lancer un sort de sommeil pour l'endormir de niveau 2. Mais je la vise que elle et pas Thompson. Oh. 35 points de dégâts. Oh. 35 points de vie. Oh là, voyons. Donc Pelgar, tu es en bas, c'est ça? Ouais, je crois que c'est à moi maintenant. Alors Thompson, qui est un félice, va faire ce qu'il peut pour la retenir un minimum et la faire glisser contre le mât. Au risque de se péter deux ou trois griffes, ce qui est très douloureux pour un félis quand même. Il va pas la retenir très très longtemps, puisque du coup elle va chuter dans tes bras, ce qui correspond. Alors je regarde parce que là aussi, j'ai envie de dire les mâts de Drakkar ils doivent pas être très très longs. Oh, quoi que, il y en a certains qui doivent être très longs quand même. Que je fasse un jet pour savoir si je la laisse écraser au sol avant de prendre les dégâts de la chute. Ouais, fais-moi un jet d'athlétisme. Ça peut être bien. Ça va, 18. Et les mâts de Drakkar, quelle taille? Parce que je dirais 4-5 mètres comme ça. Mais je crois que je suis un petit peu largué. Je ne vois pas pourquoi ça fait 4-5 mètres. Mais peut-être. Quatre mètres, ok. 4 mètres J'ai la 12 voile. mètres sur un. Ah ouais? T'as 12 mètres le mât? Oh, Ouais. ah oui, 12 mètres. Bon, on va dire que c'est un petit peu plus vieux. Oh, quoique 650 quand même. Ouais, on va dire 10 mètres. T'as fait combien en athlétisme, tu m'as dit? 18. Ah, 18. Oh bah ça va. Ça va, ça va. Alors, elle de son côté. Oh, 18, 18. Tu vas atténuer le choc.
Alors les dégâts de chute, je crois que c'est un des 6 par 3 mètres, je crois. Je crois. Un des 6 par 3 mètres, j'ai dit 10 mètres, donc ça fait 3. On va retirer un des 6 parce que du coup il y a Pelgar qui ralentit la chute. Bon, en vrai, ouais. Il aurait. De toute façon, il fallait au moins 20 pour qu'elle se tue. Là, on est à 9. Fait bobo. Mais tu lui as sauvé la vie. Par contre, je crois que ça la réveille du coup, se prendre des dégâts. Oui, ça la réveille. Mais en moindre mesure, puisque là, même si elle est un petit peu suicidaire, elle a quand même très mal. Puisqu'elle vient de se taper une chute. Suite à un sommeil. Okay. Ça fait mal. Pelgar, tu. Ouais, t'auras aussi subi un petit peu de dégâts, hein, 2 ou 3 points de dégâts, puisque du coup. Oui, pas de problème, tu peux même lancer les dés s'il le faut. Non, non, ça sert à rien parce que tu vas les récupérer assez vite après, mais t'as pris 2 ou 3 points de dégâts parce que bon, t'as quand même réceptionné une demi-orque dans tes bras. Même si t'es paladin, Je m'en suis enlevé 3. ça reste quand même quelque chose d'incroyable. Donc elle va se réveiller. Elle vient de se péter une jambe. Malgré que tu l'aies rattrapée. De son côté, Thompson, lui, s'est pété 2-3 griffes. Lui, ça saigne quand même assez abondamment. Donc les deux ont besoin de soins, du coup. Ok, bah je m'occupe d'eux. Hein. Dès qu'elle atterrit sur moi, je la dépose au sol. Je lui fais un. Alors je m'en rappelle plus en français le cure wounds, ce que c'est la traduction. Être soin, non? Guérir les blessures. Mot de guérison. Peut-être, ouais. Oui, mot de guérison. Lancer ça sur elle, vu qu'elle a pris 9. Et bah écoute, elle vient de regagner 9 points de vie. Et donc lui, c'est ouais, griffes arrachées, etc. Bon, écoute, pareil, hein, il va prendre son mode guérison. Il regagne 10 points de vie. Et puis en même temps, je l'apaise de mes mots en disant c'est fini, tout va bien se passer, restez calme, etc. Quand même, une fois que tout le monde est descendu, vous allez avoir Zvadana qui va évidemment venir voir son ami. Elle voit que tu en prends soin, voire mieux que ce qu'elle ne pourrait jamais faire. Elle se relève et file vers Joke. Les compagnons de Joke vont se mettre en barrage pour dire à la naine, c'est bon, il a eu son compte. Elle d'essayer de leur foncer dedans. Ils vont la contraindre à ne pas passer. Le capitaine de son côté va interpeller Svadana. Lui dire viens, s'il te plaît. Ça ne va pas marcher. Il va falloir que Frilla aille s'emparer de Svadana. Donc je ne sais pas si Jacine, tu fais quelque chose par rapport à ça ou pas. Moi, je suis plus au niveau de Regina pour savoir comment est-ce qu'elle va. Enfin... Du coup, Frilla, avec l'insistance du capitaine pour que Svadana recule,
finit par marcher, même si cette dernière est visiblement enragée. Les copains de Joke ne bougent pas plus que ça, ils essayent vraiment de continuer à faire le rempart. Il semblerait que l'équipage de leur côté, certains sont en train de sérieusement regarder Joke. Vous remarquerez d'ailleurs que les copains de Joke ne feront pas rempart que contre Svadhana. Certains de l'équipage vont s'approcher sévèrement de Joke avec des armes. Donc a priori, ça commence à s'envenimer sévère. Puis Rizone va gueuler après avoir rendu la barre au capitaine et va tout simplement venir entre les hommes qui s'apprêtent du coup à s'étriper, de les raisonner, de faire au mieux. Ça va durer un certain temps, donc je ne ferai pas le RP dialogué, mais il va essayer de les calmer pour que chacun retourne soit se coucher, soit du moins se calmer et ensuite se coucher, et ou retourner à leur poste. Voilà ce qu'il va faire de son côté pendant que Frilla est avec vous deux auprès de Regilna et de Svadhana qui sera revenu. Juste. Et du coup, je vois. Pardon. Non, non, vas-y. Parce que du coup, Jacine voit qu'il y a un marin qui est attaché sur le mât. Effectivement, toi, tu Il vois ça. regarde. Il regarde Pelga et les personnes à proximité en disant: Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Je. je rajoute quand même, parce que ça peut être important, du côté de Joke, il regarde de façon fixe, il regarde Regilna. C'est juste pour rappeler. Silencieusement, mais il l'a fait. Bon, moi je raconte à Jacine assez brièvement pour que les infos soient claires et partagées, mais sans rentrer dans tout le détail du fait que on lui a fait un mini procès, etc. Comme ça, elle est au courant. Il a bien de la chance que c'était pas au Talban que ça se serait fait. Heureusement que c'est pas à l'intérieur de la Car maison de la Ravenne que c'est arrivé. vous savez, au Talban et plus particulièrement dans ma famille, à partir du moment où on consomme d'un côté ou de l'autre, cela scelle une union. Oui, je vois. Alors moi, j'aurais bien voulu avoir votre avis, mais vous avez décidé d'aller consommer certaines substances. Donc, j'ai dû gérer un petit peu seul la problématique, mais fort heureusement. Et tu vois qu'elle se frotte la tête parce qu'elle a encore mal à la tête. Ah oui, mais vous savez, j'ai essayé d'aider notre ami, mais qu'est-ce qui lui a pris de monter sur le mât? Alors certes, elle avait bien tenu, mais je ne sais pas ce que j'ai bu, mais ça. Elle doit avoir une sacrée constitution, cette petite. D'ailleurs, pour information aussi, parce que comme elle était réveillée et qu'elle avait mal, il y a quand même une tentative d'essayer d'avoir des informations. Alors, sans doute que toi, tu leur as dit non, elle est trop fatiguée, c'est pas le moment, peut-être. Ou peut-être Parle de qui? De moi?
Non, de Pelgar sur Regilna. Qui a essayé d'obtenir des informations? Frilla a essayé de demander pourquoi à Regilna pourquoi elle était montée sur le mât. Bon, en vrai, une fois que j'ai tenté de la calmer, moi j'ai pas non plus un rôle de protecteur à jouer sur elle, donc je laisse la Frina enfin, poser les questions. En vrai, si toi tu l'auras pas fait, ça sera Svadana qui demandera à Frilla de laisser Regina tranquille pour le moment. Parce que d'après elle, on a tous compris ce que Regina voulait faire. Et effectivement, Svadana est partie pour redevenir ultra protectrice par rapport à Regina. Ça, c'est sans conteste ce qui semble paraître. Bon, la situation s'est calmée, il n'y a plus La situation se d'urgence calme visible. et vous constatez que Regina a choisi son moment. Puisque contrairement, enfin, malgré sa consommation excessive d'alcool, elle a choisi son moment. Vous savez pas trop comment, mais elle l'a fait, puisque le jour pointe son nez. Ce qui va à la déception de beaucoup de personnes sur le bateau. Même si personne ne le dit ouvertement, mais vous voyez des soupirs, l'air de dire bon, on va pas pouvoir retourner aller se coucher. Donc vous autres, pareil, est-ce que vous retournez vous coucher? Ou alors toi, quand même, je vais dire, Jacine, tu n'es plus fatiguée, hein, toi, t'as bien dormi. Les autres, moins, Oui, c'est mais... pour ça que je pense que je vais plutôt aller méditer. Bah, je voudrais prendre à part Jacine avant moi, par contre, d'aller me coucher parce que j'ai besoin de repos. Et donc en prenant Jacine à part, je lui explique peut-être un peu plus dans le détail et surtout je lui pose une question. Est-ce qu'il faudrait pas aider ces deux jeunes personnes à quitter ce navire parce que je les sens pas en sécurité à l'avenir, même si Joke a été attrapé et va être jugé, il y en a qui auront sans doute beaucoup beaucoup de rancune envers elle à l'avenir sur ce bateau. Je comprends. Je vais voir ce que je peux faire. Personnellement, en tout cas, je n'aurais pas de l'état d'âme à utiliser quelques-uns de mes écus pour leur offrir une nouvelle vie s'il le fallait. Tu vois qu'elle fronce un peu les sourcils. Tu m'as dit que tu avais eu un présage pour venir jusqu'ici, c'est ça? Oui, mais qu'est-ce que cela a à voir avec cette histoire-là? Rien du tout. C'est juste que pendant mon sommeil, j'ai mon Dieu protecteur qui m'a parlé, et... il me semble. Et il m'a dit ceci, mais j'ai du mal à comprendre. Lorsque les deux corps seront réunis, le voile de la réalité va se déchirer entre le monde des morts et celui des vivants. Les deux voiles. Les deux corps. Lorsque les deux corps seront réunis. Oui.
Ça me fait plus penser à vos histoires de loups-garous qu'à des histoires de jeunes femmes qu'on laisse partir et ne pas rester sur un bateau où elles sont à la merci de matelots vicieux. Oui, je suis d'accord avec vous, je vais m'en occuper. Je voulais juste vous en faire part si jamais ça vous inspirait quelque chose. J'en prends bonne note. Il faudra que tu me le répètes parce que j'ai pas pris toutes les notes. Mais donc j'en prends bonne note. Oui, je vais réfléchir et essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette. Je vais le copier-coller dans le Enfin, RP. merci. Tiens, je ferai la même chose avec celui que je t'ai donné. Très bien, bah allez vous reposer, je vais voir avec le capitaine ce que je peux faire. Très bien, merci à vous. Merci à vous de vous en être occupé. Et donc, je vais poursuivre ma nuit Oui. jusqu'à ce que je puisse valider un repos long. Problème. Du coup, je vais voir. C'est comment est-ce que ça. Pas Regina, mais sa protectrice, comment est-ce qu'elle s'appelle? Svadana. Voilà. Je vais aller la voir. Pardonnez-moi de vous déranger. J'aurais besoin de vous parler quelques instants. Oui, bien entendu. Du coup, J'ai avec cru comprendre que Reginald et vous-même n'êtes pas très bien intégrés dans ce navire, surtout après ce qui s'est passé. Souhaitez-vous rester dans ce navire ou souhaitez-vous que le quitter? Tu sais, elle lève un ou deux doigts vers toi comme pour te dire que elle est en train de d'y réfléchir. Pour être tout à fait sincère avec vous, moi je me sens comme chez moi sur ce bateau. Jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à ce qui s'est passé hier soir, voire un petit peu plus tôt, vous le dirai un petit peu plus tard, mais jusqu'à maintenant, je m'entendais avec tout le monde sur le bateau, y compris l'autre machin là. Mais oui, comme je vous l'ai dit, depuis 2 jours, j'ai vu Regina se comporter comme un véritable zombie, voire comme un fantôme par moment. Lorsque nous étions encore à Jerndal, je l'ai vu louper un rendez-vous que nous étions fixés pour préparer notre voyage. Et elle n'y est pas venue, prétextant qu'elle avait mieux à faire. Elle me l'a dit tout aussi sèchement que ça. Au début, j'ai voulu mal le prendre. J'ai pas compris. Et puis, bon, après tout, on n'est pas tous obligés d'avoir tous les jours la bonne humeur. Donc,
Je n'ai pas fait grand cas de sa façon de me parler. Par contre, son attitude depuis la veille et jusque-là, c'était plus Regina, celle que je connaissais avant, celle qui renvoyait les. Bizarrement, j'aurais dû m'en douter, celle qui rembarrait les gars comme Joke aussi facilement, tout aussi facilement. Là, elle était plus là, elle réagissait plus à rien, elle n'avait plus envie de rien. J'avais beau lui parler, ses conversations étaient sèches, courtes et sans envie. Je me doutais bien que il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais elle voulait absolument pas m'en parler. Donc, comme elle n'a pas voulu me parler de ce qu'elle avait fait lorsqu'elle avait disparu, cette journée où elle n'était pas venue au rendez-vous, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Enfin, si je sais bien ce qu'elle voulait faire là, je pense que tout le monde l'a compris. J'ai votre proposition, même si je considère les membres de cet équipage comme ma famille, du moins avec certains membres en moins désormais, je pense que je l'accepterai volontiers. Vous attendez pas à ce que je laisse qui que ce soit causer du mal à Regina désormais. Acceptez-vous donc que je parle au capitaine pour vous libérer de vos services à toutes les deux? S'il le faut, oui. Et si malheureusement la seule solution c'est que je reprenne vos contrats, accepteriez-vous de me suivre, moi et les hommes? Nous accepterons. Je ferai tout pour qu'elle l'accepte aussi. Eh bien, dans ces cas-là, veuillez m'excuser, je vais discuter avec le capitaine. Et elle Et du coup. te met la main sur l'épaule, Oui. te remercie avec toute la franchise que son regard lui permet, et puis se retire également. Et du coup, je vais voir le capitaine. Le capitaine qui se trouve à la barre avec ses deux seconds dont Rison qui est crevé, qui a fait toute la nuit à la barre et qui aimerait bien qu'on le laisse aller se reposer. Mais le problème c'est que la discussion est vive dans la cabine, entre guillemets. Tu l'entends en arrivant. Où tu les entends dire ça sent la mutinerie qui vient, et si c'est pas la mutinerie, ça sera un équipage qui s'entretue. Et tu rentres Et du coup, je frappe. Je sur. rentre pas, je frappe d'abord. Oh oui, mais de toute façon, il n'y a pas de porte. Hein, mais, enfin, il n'y a pas de porte. Il y a plus ou moins une Bah, c'est porte. pas grave, je fais l'illusion sonore du toc-toc. Oui, c'est qui? Bonjour, capitaine. Je suis Jacine. Au moment que tu te présentes et tout ça, le capitaine fait signe à Rizone,
C'est bon, vas-y. Bonjour, Jessie. Je le salue du coup, Rison qui passe au même moment. Sachant que il y a un petit décalage de comportement entre le capitaine Bartabas que tu as connu à la taverne, qui avait une grande gueule et qui se la ramenait beaucoup, par rapport à là, où visiblement il est beaucoup moins grand parleur, il est beaucoup moins grande gueule. Puis-je solliciter une audience auprès de vous, mon capitaine? Ah bien, écoutez, si vous restez devant la barre comme ça, je pense que vous êtes disposé à avoir toute l'audience que vous souhaitez. J'ai cru comprendre que les relations au sein de votre équipage semblent être un peu, comment dire, tendues en ce moment. Un petit peu, sans aucun doute. Vous êtes fine observatrice. Sans blague, hein, tu vois une petite, la bonne ironie, hein, dans ce livre. Oui, bah c'est comme moi, je le disais avec ironie. Voilà. Je souhaiterais vous proposer une solution pour que cela s'améliore. Oui. Si cela vous intéresse. Il est hors de question que vous alliez trancher la tête de ce bougre. J'avoue que cette idée ne m'avait pas traversé l'esprit jusqu'à présent. Vous êtes bien la seule. J'avais plutôt en tête de, si cela vous intéresserait, parce que j'ai cru comprendre que l'origine du problème provient de Regina et de son ami, que j'aurais dit le nom, que le joueur s'en souvient pas. Oui, bah moi j'ai de la chance, j'ai les noms sous les yeux. Zvadana. Et bien sûr que non, le problème ne vient pas d'elle. Bien sûr que non. Il vient d'eux là. Ces petits cons là. Les six. Les six. On nous fait signer pour essayer de réhabiliter ces individus du mieux qu'on peut. On leur donne de la nourriture, de quoi dormir. Mais ça ne leur suffit pas. Il faut qu'ils abusent encore et encore. En tout cas, ceux-là, ils n'auront pas choisi leur trajet pour commettre leurs erreurs. Et croyez-le ou pas, si Joke risque de recevoir une bonne punition lorsqu'on sera à bon port, croyez-le, ses copains ne resteront pas en reste. Avez-vous en tête? Nous sommes en train d'y réfléchir. En tout cas, Voyez-vous? si je puis vous donner un ordre d'idée, si les morsures de la mer ne leur suffit pas, je pense que les morsures de la glace devraient les calmer beaucoup plus facilement. Je vois qu'elle sourit quand tu dis ça, quand il dit ça. Quoi qu'il arrive, il semblerait que les filles ne se sentent plus forcément en sécurité parmi votre membre d'équipage. Et je vois que vous voulez en venir, mais allez-y, poursuivez.
Je crois comprendre que vous avez signé un contrat avec elle. Avis, oui, effectivement. Et que faudrait-il pour les libérer de ce contrat ou tout du moins le reprendre? Sincèrement, vous connaissez un peu ce qu'il se passe au niveau des côtes par rapport à ces gens, et je te laisse faire un petit jet d'histoire éventuellement, puisque tu es une habitante des côtes. 16. Donc oui, tu les connais, ce dont on a parlé l'autre hier, que les repris de justice, entre autres, ou des gens qui essayent de se refaire dans la société, sont rachetés comme esclaves à 100 pièces d'or. Donc ce dernier va te dire, eh bien, si vous êtes au fait des mœurs sur les côtes, en ce qui concerne certains repris de justice, vous pourriez les libérer de leur contrat en faisant un petit effort. Dois-je comprendre que ces deux filles sont des reprises de justice? À leur façon. Je crois comprendre que c'est 100 pièces d'or, c'est bien cela? Je vois que vous êtes au courant. Effectivement. Deux cents pièces d'or et elles sont libres de faire ce que vous souhaitez en faire. Eh bien, lui sors 20 pièces de platine. Que je lui tends. Il prend l'ensemble des 20 pièces de platine. Tu vois que il demande à Frilla de tendre sa main. Enfin, il lui dit franchement de tendre sa main. Et tu vois qu'il fait un geste, une sorte de geste de ciseaux, un truc comme ça. Frilla commence à prendre des pièces dans la main du capitaine, de ce que tu lui as tendu. Et tu vois que Frilla te rend 10 pièces de platine. Je les prends et je regarde un peu interrogatif. Steve. 10 pièces de platine pour la liberté des deux jeunes filles. Que je prends, ou du moins j'en prends 20 pour la libération de ces jeunes filles, mais je vous en rends 10 pour que vous fassiez de leur de liberté et la discrétion de l'origine de leur libération. Je ne souhaite pas que vous déco comme quoi ces jeunes filles soient venues travailler sur ce bateau, ni de ce qu'il vient de se passer sur ce bateau. Eh bien, si vous pouvez me garantir également que Jox sera puni. Oh là! Vous inquiétez pas pour ça, il sera puni.
Et ses copains aussi, ne vous inquiétez pas. On y pourvoira avec plaisir. Bien écoutez, ce fut plaisant de marchander avec vous et je lui tends la main en tout en lui disant j'espère que cela se renouvellera ultérieurement. Tu remarques une sorte d'esquisse de sourire de son côté. Eh bien, ce sera bien la première fois que je serre la main d'une. Alors, est-ce que tu lui as dit que tu venais du Talban ou pas? Je sais plus. Bah, Ah, tu es... Non, je pense que ça. tu ne portais pas tes insignes, je crois. Non, je portais pas mes insignes, effectivement. Donc non, pas officiellement. C'est avec plaisir que je serre la main d'une célébrité telle que vous. Je vous remercie, mais. Je suis pas si célèbre que ça. Elle a totalement pas conscience de sa réputation, hein, Jacinthe. Il n'en rajoutera pas. Et du coup, je m'en vais méditer. Oui, sachant que tu vas méditer toute seule, hein, parce que Pelga, il dort. Oui. Bah, je vais commencer à. Avec mes hommes, en tout cas ceux qui sont endormis, ceux qui sont encore réveillés, de faire la séance de méditation qui nous a appris la veille. Ok. Tu verras juste en passant comme ça que... Joke a dû se prendre quelques pots de chambre dans la tronche puisqu'il est un petit peu crasseux. J'aurais fait prestidigitation pour faire une odeur moins nauséabonde à proximité parce que je pense que c'est là où. J'avoue que ça pue un petit peu là où il est. Je vais faire l'odeur de. Une odeur que les filles aiment bien, peut-être de la rose ou de la ja ou du jasmin, tu sais. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'autres événements sur le bateau. Donc, les 2 prochains jours vont se passer plutôt bien. Alors, je dis ça, mais ça va dépendre d'un jet que vous allez devoir faire. Juste au moment où Pelgar se sera réveillé de son sommeil, Jacine prendra à part Pelgar. S'il est encore là. Je suis là, j'écoute. Et te dira discrètement, j'ai pu racheter les contrats de Regina et Vanna. Vanna. Par contre, je souhaiterais qu'il soit sous tes ordres, si tu le veux bien. Avoir une aide en plus pour contrer nos transformations, ce sera le plus grand bien. Qu'en penses-tu? Très bien, j'espère que sont des compétences. Je vais Je ne leur ai pas, mais pas encore parlé. Je te laisse le soin de le faire. très bien. Et prends cette somme. Et tu vois qu'elle te tend les 10 pièces de platine Le capitaine que t'a donné. que le capitaine m'a redonné. Lorsqu'on sera à terre, n'hésite pas à leur prendre de l'équipement adéquat.
Entendu. C'est bien généreux de votre part. Tout à fait normal, je dirais. Vous le faites sur le plancher, c'est ça? On le fait dans un endroit un peu discret. Ah oui. Bien entendu, cela ne doit pas se savoir. Ah oui, bien sûr, vous pouvez compter sur ma discrétion. Très bien. Voilà, c'était juste l'information que je voulais retransmettre à Belgar. Est-ce que Pelgar avait envie de faire quelque chose de son côté? Bah, il va falloir que j'aille leur parler. Est-ce que tu veux gérer ce moment RP ou pas? Parce que l'heure avance quand même, je sais pas. Est-ce que je veux le RP ou pas? Ça serait bien de le RP, ouais. Même. Ça peut être un cliffhanger, hein, le moment où tu Oui, dis ça. ouais, ça serait peut-être bien de faire un cliffhanger, ouais. C'est sûr. Mais je vais faire un cliffhanger effectivement, mais je veux d'abord que vous me fassiez un jet de perception. Bien. Normal, du coup. Ouais, normal. C'est basé sur quel sens? La perception d'objets. Donc la vue, c'est ça? La vue, oui. Je suis en train de chercher ça. T'as quelque chose de spécifique par rapport à ça? Quelque chose qui serait bien dissimulé. Oui, parce que maintenant j'ai l'ouïe et l'odorat aiguisé. Ok. Et J'ai oui, fait 6, maintenant j'ai un c'est ça? odorat. T'as fait 6. Six et neuf, c'est pas fameux. Je crois que vous avez de la chance que finalement Svadhana soit là. Svadhana, elle n'a pas plus de lien que ça avec toi, Jacine, donc je pense qu'elle ira plutôt voir Pelgar. Ben c'est pour ça que je les ai mis sous les ordres de Pelgar et pas forcément de moi. Permettra du coup à Pelgar de parler de ce qu'il faut. Et je crois que je vais en profiter de cette conversation pour faire le cliffhanger. Du coup, elle va venir te voir, Pelgar. Contrairement à son attitude depuis ce qui s'est passé, elle est plutôt gênée de venir te voir. Et te dira, j'ai l'impression de devenir complètement parano. Ah oui, qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai peur que mon ami n'ait pas l'intention de s'en sortir. Depuis hier soir, elle ne change pas d'attitude, malgré le soutien de l'équipage. Et puis, c'est... Bon, j'imagine que c'est rien, mais... Ce matin, quand je me suis réveillé, apparemment elle avait dû mal dormir ou je sais pas quoi. Bref. Elle était assise contre la coque et assise contre la coque, en fait, je devrais dire face à la coque. Donc je ne voyais pas trop ce qu'elle avait devant elle à ce moment-là.
Voilà, entre ses jambes. Au début, j'ai eu très peur. Je me suis dit, son esprit est parti et c'est mal barré. Ceux qui ne retireront rien de ce risque-là, malheureusement, ça me fait un petit peu peur aussi. Mais je me suis un petit peu. Je me suis permis de d'espionner, enfin d'essayer d'espionner par crainte. Je sais que c'est pas bien, mais. Et puis, assez rapidement, j'ai vu deux espèces de poupées. Mais si je vous le dis, peut-être qu'il vaut bien qu'à l'idée, ce soit normal qu'elle recherche un appui, peut-être de son enfance. Mais je n'ai jamais vu cette poupée entre ses mains. Pourtant, je la connais quand même. Et surtout, le. Je ne les ai pas vus longtemps parce que quand elle a aperçu que je regardais, elle a tout de suite dissimulé ses poupées et les rangées. Elle a absolument pas voulu en parler, me disant que ça ne me regardait pas. Et j'ai pas voulu la forcer bien sûr à parler. Mais ces poupées, de si peu que j'en ai vu, alors peut-être que ma vision s'est troublée, que je les ai pas bien vues. Mais c'est pas le genre de poupée en bois bien sculptée qui donne envie. De s'amuser avec elle, de jouer avec elle comme si c'était des poupées amusantes. C'était plutôt des poupées qui n'étaient certainement pas en bois, qui semblaient tellement plus humaines, parce qu'elles semblaient être un petit peu. Vous voyez ce côté lisse du bois? Ou d'autres choses qui pourraient permettre de faire des poupées, eh bien, il n'y avait pas de. C'était pas lisse. Il semblait vraiment que c'était de la peau. Et puis, De la peau. elle n'avait pas d'yeux. C'était vide. Les cavités des yeux étaient vides. Alors après, peut-être que c'était un oubli de la personne qui a fait ces poupées, peut-être qu'elles ont été faites comme ça à l'arrache. Mais même ces vêtements, c'était des sortes de loques. Alors peut-être aussi que je me fais encore des idées, c'est peut-être des vieux vêtements, tout simplement, parce que c'était des vieilles poupées, peut-être. Et mais elles avaient aussi des formes, bah du coup, comme elles n'étaient pas en bois. Logiquement, puisque elles étaient pas rigides, leur corps flottait lorsqu'elle les a enlevées, dissimulées, et les corps étaient, enfin les poupées étaient bizarrement foutues. Enfin, je me fais sans doute des D'accord. idées. Sans doute qu'il s'agit certainement d'un cadeau d'enfance et de poupées qui, pour le coup, ont été très mal conçues, sans doute. Je me fais sans doute des idées. Peut-être bien, oui. Mais est-ce que vous l'avez entendu parler à ces poupées? Qu'est-ce vu peut-être quelque chose qu'elle était en train de faire? Je sais qu'elle était en train de leur. Chuchoter que le temps allait arriver. Et c'est peut-être par-dessus tout ce qui m'a fait le plus peur dans cette situation. Ça tombe bien parce que j'ai quelque chose à vous proposer et peut-être que justement c'est ce temps-là qui est arrivé. Ça dépend Est-ce ce que vous me que proposez.
Est-ce que vous aimez l'aventure? Si je n'aimais pas l'aventure, j'aurais essayé un autre métier. N'avez donc pas froid aux yeux? Ah, ça, non. Et Regina, elle, vous pensez que c'est similaire? La Regina que j'ai connue, n'avait pas froid aux yeux non plus. Celle d'aujourd'hui, je sais pas. Très bien. Je peux vous proposer éventuellement de partir d'ici, de quitter ce navire et de tourner la page, surtout pour Regina. Qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, vous savez très bien que nous autres, nous avons signé des contrats à vie avec nos capitaines. On est bloqué là. C'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que vous voudriez partir? Oui, bien entendu. Bien entendu. Même Très bien. si l'envie est toute récente, j'avais dit à votre compagnon, compagnonne. Que éventuellement j'aurais voulu le faire et depuis qu'elle m'a suggéré l'idée, j'avoue que j'en ai très envie. Très bien. Bah, je vous confirme que il est le temps. Il est temps pour vous de quitter ce navire. Dès que nous arriverons ensemble à Milan, je vous prends à mes côtés. J'aimerais que vous alliez parler à Regina. Lui expliquer cette situation, obtenir son accord, parce que ça me semble indispensable. Je veux qu'elle décide d'elle-même, évidemment. Et si vous êtes toutes les deux d'accord, vous partez avec nous. Très bien. Elle se mord un petit peu les lèvres quand même. Hein. Je lui en parlerai. Elle doit se dire, je suis sûr que c'est une blague, je suis sûr que c'est une blague. Non, elle se dit surtout, il vient de me dire qu'il va falloir que je parle sérieusement avec Regina. Ces derniers temps, c'est compliqué. Bah, si je remarque qu'elle semble nerveuse, puisque c'est apparemment ce que tu voulais montrer avec le fait qu'elle se mordait les lèvres, je peux lui dire. Est-ce que vous voulez que je vous accompagne parler de cela avec Regina? J'avoue qu'on ne sera pas trop de deux pour essayer de tirer quelque chose de ce genre de conversation. Voilà, allons-y de ce pas. Donc je fais courte, vous allez la voir. Elle est encore en bas. Elle est toujours assise, cette fois dos à la coque. Vadana se met face à elle, qui reste assise. Vadana lui dit une bonne nouvelle, Vadana. Nous sommes libres. Pas de réaction de Gina. Régie, s'il te plaît, dis quelque chose. Régina, du coup, lève la tête. Vous croyez que ça va changer quoi que ce soit à la situation? Vous croyez franchement que nous allons nous en sortir? Même si nous sommes libres? Je m'approche d'elle et je lui demande
Gilna, est-ce que vous savez quelque chose que personne ne sait? T'as le droit à un jet de perspicacité pour le coup. Dix-sept. Ouh. Son regard laisse penser que effectivement oui. Et elle dira: vous le saurez bien assez tôt. Mais ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je n'en sais rien. Elle ment un peu. Gilna, je sens que vous pouvez m'être d'une grande aide et c'est pourquoi j'aimerais que vous m'accompagniez. Nous avons parlé avec le capitaine et il a accepté de vous laisser partir. Alors, je suis désolé, Svadhana, ce n'est pas parfaitement libre que vous partez. C'est sous ma responsabilité et j'aimerais donc que toutes les deux vous m'accompagniez. Je souhaite obtenir votre accord à toutes les deux. Je sais que Svadhana souhaite me suivre. Je sais aussi que Svadhana souhaite que vous nous suiviez, Regina. Donc, je laisse ça maintenant entre vos mains, cette décision. Est-ce que vous viendrez avec nous? Je vous promets une vie d'aventure et loin de tous les crasseux qui abusent de vous. Et je me porte garant de votre sécurité jusqu'au moment où arrivera ce que vous savez qu'il arrivera. Et puis à ce moment-là, peut-être nous périrons ou nous combattrons, je ne sais pas. Regarde tout aussi froidement qu'auparavant. Je vous apprécie beaucoup. Beaucoup plus que beaucoup de ces gens sur ce bateau, voire de ces gens dans ce monde. C'est pourquoi je vais vous donner une longueur d'avance. Elle va lever la fesse gauche, sortir une poupée qui effectivement sont celles que tu verras est affreuse. Elle ressemble à une poupée de mort-vivant. Elle lèvera la fesse droite, sortira une deuxième poupée qui ressemble aussi à un mort-vivant, à deux petites poupées filles mort-vivantes. Elle te regardera avec un petit peu plus de douceur peut-être, mais c'est franchement sarcastique. Voire morbide plutôt. C'est trop tard. Nous allons tous y avoir le droit. J'ai fait ce qu'il faut. Et je vous propose d'en rester là pour ce soir. À bien. Tu voulais ton cliffhanger, Rosary. J'avoue, j'avoue. C'est Pouvais pas monter aussi haut au niveau du cliffhanger là. Non, non, c'est sûr, il va nous tomber des choses, mais. Bah toi tu le sais. Enfin maintenant vous le savez tous les deux. Je le savais pas. Ah bah oui. Ah, avec le songe. Ah bah, je te laisse faire la suite de la réponse. Des déductions. Ouais, bah, elle est chiante, Regilna. Moi, c'est elle qui m'intéresse, Svadhana, beaucoup. Ouais, et elle veut pas venir. Bon. Ah Elle a pas mais dit non. elle a pas dit non. Non, mais elle a pas dit oui. Hein. Ouais, ou alors je l'ai mal interprété. Peut-être qu'en disant je vous donne une longueur d'avance, elle voulait dire qu'elle va venir avec moi.
Et moi, je vois juste qu'elle m'offre une info en me présentant ses poupées, mais moi, je suis pas venu pour juste qu'on me présente des poupées. Faut qu'elle parte. Ou peut-être qu'elle fait ça dans l'objectif que, justement, comme elle voit que tu lui rends service ainsi qu'à sa copine, comme elle vient de Me rend faire a service à moi en me priori donnant. quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû faire.